Yes, Kevin Rivière, Tennis Club de Saint-Joseph. Alors, Kevin, c'est vrai, vous êtes dans votre club. Ça a été un match à rebondissement, ce match avec Frédéric Fulbert, qui nous revient de la commune du Robert. Tout à fait, oui. Alors, match assez dingue quand même. Je mène 6-0, 3-1. J'ai un niveau de jeu qui commence à être similaire au passé. Et derrière, malheureusement, le rouleau compresseur de Frédéric a pris le devant. Mon physique, moi, à l'inverse, c'est un peu écroulé malheureusement, donc derrière je perds 6-3, 6-3, 6-0. Mais c'est pas grave, premier match de reprise, ça Il y fait a eu un mal. passage à vide dans ce deuxième set pour vous. C'est ça, ouais. À 3-1, il commence à être de plus en plus solide. Et moi, malheureusement, je commençais à donner un petit peu plus. Je commençais à être un petit peu moins solide justement. Faire un peu plus de fautes et craquer un petit peu plus physiquement. Mais c'est normal parce que ça faisait au plus d'un an que je n'avais pas fait de match officiel. Donc c'était pas facile de rester dans le match. C'est quoi l'arme fatale de Kevin Rivière? Le coup droit de décalage. Gros coup droit de décalage. En revers, je fais très peu de fautes. Rouleau compresseur. Et je viens terminer très souvent au filet. Vous êtes un très bon joueur de paddle aussi, deux mots là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, donc, je travaille à l'aréna. Je m'occupe principalement du padel. Donc, je joue beaucoup aussi au padel. Enfin, principalement au padel en tout cas. Donc, malheureusement, le padel a pris le devant par rapport au tennis. Mais le padel, c'est pour moi mon deuxième sport après le tennis. Donc, effectivement, le padel, c'est Deux mots top. sur cette 32e édition du tournoi Opel, je le dis. Eh ben, ambiance au top. J'ai mon petit fan club qui est là-bas, qui m'ont suivi jusqu'au bout. J'ai fait que deux matchs, mais on était quand même là aussi pour eux, parce qu'il y avait quand même mes collègues qui ont joué sur le tournoi. Et l'ambiance était top, l'accueil était top, les sandwichs étaient top. Tout, franchement, je me suis régalé et c'est là mon club où je suis arrivé. Donc je regrette pas du tout d'être venu et de refaire mon tournoi à domicile, on va dire. Kevin Rivière, 100% sport, vous remercie. Merci beaucoup.